Salut Salim Koupa, et aujourd'hui on se retrouve ici pour acheter des vêtements gothiques. Consommables, potions de santé. Oh putain, ouais. Potions de puissance. Oui, résurrection, on en a besoin. Bon, allez, équipement, costume gothique, coiffe gothique, gants gothiques, style. Bah, perruque émo, je l'ai déjà. Eyeliner noir, ouais. Ça, on s'en branle. Et ça, on s'en branle. Allez. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est inventaire. Bon, on va en avoir des trucs avant. Hein. Ah là 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 là. Ah ouais, donc là on a rien du tout en fait. Acheter des gants, acheter des vêtements, acheter une coiffe. Très bien. Allez, on va signer le pacte. D'ailleurs, je pense que dans la prochaine vidéo, c'est pas impossible que on commencera à faire quelques quêtes annexes. Parce que pourquoi pas, honnêtement. Merde, c'est vrai, les cigarettes, je les ai oubliées. Par contre, je pense pas qu'il faut fumer pour être gothique, honnêtement, mais vas-y. Et putain, je dois faire quoi du coup là? Tant on me disait signer un pacte, les gothiques ne vous aideront pas tant que vous ne l'aurez pas prouvé que vous êtes l'un des leurs et pas un conformiste. Trouver un paquet de clopes quelque part dans South Park. Attends, mais si ça me dit que je suis là. C'est quoi ce bordel? Peut-être qu'ils vendent des clopes à l'intérieur. Well, well, you're supposed to be some kind of knight of the round table. Welcome to ye old Skeeter's Tavern. Tell you what, good sir knight, I got rats in. Bon, ok, ta gueule. Oh putain. Les rats. Ah ok, c'est ici. Ah ouais, putain. Mais c'est quoi ces merdes? Big mistake. Non, ça va pas tuer. On va utiliser ça. Allez. Non. Bon, bah. Au moins on a fait plein de dégâts, quoi. Ah bah voilà, il est mort le rat. Cool. Yay. Ouais, il a du stuff. Ah.
Ah. Allez, comme ça, moi, on tue tout le monde. Ah, c'est marrant. Ah putain, qu'est-ce que c'est marrant. Allez, viens là, fils de pute. Allez, ah, ouais, si. Là, il est ensemble. Non, attendez, on va latter les couilles du rat, ça va être marrant. Ah, c'est marrant, putain de merde. Ah, il est là-bas le dernier. Allez, viens là, enculé! C'est dommage, on peut pas changer l'ordre du combat. Allez, et on refait ça une dernière fois. Allez. Et bien voilà, ils sont tous morts maintenant. Il n'y a plus de problème. Coucou. Damn if you ain't a noble knight after. Yay. 25 amis, cadeaux disponibles. Par contre, c'est où l'échelle de bar? Bon, bah au moins c'est bien, on a fait leur quête à eux. Take your stupid hair and leave. Stupid hair and leave. Take your stupid hair and leave. Ah, ok, donc fallait démarrer un combat. Allez Kenny, je vais réutiliser ça. Oh, et puis merde, non, allez. Allez. Tu vois, maintenant il est mort. Oh, regardez-le. Bon, peut-être que maintenant ils vont nous donner des clopes. Voilà, yes. Allez, donnez-nous votre thune aussi, bonne de merde. C'est bien, allez, bonne de petite salope. Grand culé de SEM2. Allez, on va là. Oh, tu es qui toi?
Ah bah attendez, du coup, oui. Ami 25. C'est pas mal, franchement. Ah. Ouais. Bah du coup, non, on n'a pas de talent. Bah du coup, on va signer le pacte maintenant, hein. Oh joy, it's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress, it's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah! There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and take this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it, and don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Oh putain, il me casse vraiment les couilles. Dressez-vous contre les règles de la société. D'accord. On va peut-être attendre que le panneau prostétasse. Voilà. Ah. Ok, hop, j'ai refait des cloques, hein. Ah, ok, c'est juste à côté, en fait. Ok, moi je pensais que c'était à l'autre bout de la terre, mais non, c'était juste à côté. Il nous voit pas là. Taco Bell is being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Bah ouais, on est muet. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on! J'espère qu'il y a une photo qui a été prise, hein. Oh, bonjour, Monsieur Garrison. Fuck the conformists. Why, are they a good lay? Fuck the conformists. Why are they a good lay? Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Don't be screwing around in here. J'ai l'impression qu'on est dans le coin, jeune homme. Why don't you exercise your free speech at home, little boy? I saw you on the ship. You have pretty good control over your asshole. I used to have a bad hoarding problem, okay, but I got past it. Now I can just throw things away. Would you mind throwing this away from me? I just need it thrown away somewhere very specific. I'll show you on your map. Merci, oui. All purchases go. Ah.
This is a PTA meeting, young man. Be on your way. Étonnamment, sa VO est un peu mieux. Je sais pas, hein, mais la voix française de la mère de Kyle. Pourtant, c'est la même personne hein, qui fait toutes les voix françaises. Hein. C'est la même femme qui fait toutes les voix françaises des filles de South Park. Mais la voix qu'elle fait pour la mère de Kyle, sincèrement, je ne peux pas la supporter. C'est affreux. Bon, en même temps, parce que le personnage en soi est casse-couille d'une certaine manière. Mais voilà, quoi. Maintenant que les rats sont partis, les cafards se reproduisent à tout bas. Je pense qu'on n'aurait pas dû faire chier Mère Nature. Ouais, ça. Oh putain, il y en a 7. D'accord, c'est ici. Et pourquoi il n'y a pas Timmy, bordel de merde. Oh, bah oui, parce que eux... Ah, sur leur table, ok. Bah, j'imagine que c'est la table ici. Oh, la musique de chef. Look, I know how you're feeling, okay? But this isn't gonna solve anything. We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over your farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Oh putain. Oh la musique de chef. Oui, parce que le mec qui fait la voix de chef, c'est un vrai chanteur de base dans la vraie vie. Enfin. I can tell you have potential, but you are undisciplined. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on. Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Ah, boy. See that? Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the Sneaky Squeaker. It will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. Oh putain! I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart deafening behind me. Leaky, it needs more surface tension. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Non mais j'ai compris, mais merde. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Bah ouais, petit flop. You're not forming it right. Imagine, look, let me show you again. Mais je me reprends. C'est rigolo quand même, mais on s'en branle. Okay, you try. Make your fart detonate behind me.
Ah, ok. Oh, hey, guys. Oh, Mr. Mackey, now it's your turn. Use Sneaky Squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Kinga! Very, very good. Now use what I taught you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're doing, report back here. And no matter what happens, never fart on anyone's balls. Mais pourquoi faut pas péter sur les couilles de quelqu'un? Non mais sérieux, pourquoi faut pas péter sur les couilles de quelqu'un? Profilez-vous sur le site du Taco Bell. Bah attends, il est où ce connard de Taco Bell? Ouais, ça m'étonnait pas. Oh, ça a toujours pas cramé ici? Ouais, bon, il faut se mettre là. There's nothing to be concerned with here. Absolutely nothing out of the ordinary is going on. We're simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. New Taco Bell opening soon. Very big Taco Bell. It's going to open in a few weeks. Thank you. Will this Taco Bell be serving enchiladas? What? Is it going to be a full menu Taco Bell, or is this going to be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiladas or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve enchiladas? I think we have a right to know. Mark? Folks, we know you're all very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. Son mari vient de crever. Sweetie? I heard a beetle dying. Sorry, absolutely nobody allowed past. Check. Guess Nicki Minaj released a new single. I think someone's testing Tupperware. Thank you.
Oh bordel de merde, enculé de sale fils de pute de chien de merde. Ok. Yes. But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Here we go again. God damn it. I'm so tired of Nazi zombies. It's so overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread it. We have a big problem. All right. We're gonna have to completely obliterate everything in a 3-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. What the fuck? It's broken free! He needs to have your roof at us! Oh putain, on va se taper contre un Asword. Ouais, je sais pas quoi dire pour eux. En tout cas, c'est pas que ça m'emmerde hein, d'être en gothique, j'aime même beaucoup le style, mais bon, j'ai quand même envie d'être puissant. J'ai pas trop envie de me faire péter la gueule, quoi. Oula merde. Oula. Coaching Poco, trophée obtenu. Wow. Non, monsieur. Oh putain, ils sont buggés. Oh, ils étaient buggés. Oh putain, mon dieu. Ah ouais, mais non, mais là, la vidéo, elle sera même pas mise en ligne. Enfin, je pense que la vidéo, ouais. Non, mais là, même si je gagne de l'argent grâce à YouTube, je pourrais jamais monétiser ce let's play. Hein. Sincèrement.
C'est le Let's Play que je pourrais jamais monétiser. Princess Queenie. Allez, Princess Queenie, nique les tous. Ah! Oh mon dieu, ils ont tué Kenny! Ouais, on va vite se donner de la vie là quand même. Oh yes, il est revenu à la vie. Je peux risquer de faire un bisou, hein, mais... Bon bah ok. Oh putain, elle s'est fait bouffer la meuf. Madame, je pensais que tu pouvais pas devenir ma copine. Oh. Ah bah il a l'air content lui. Bonjour monsieur. Ok, on peut pas te tuer malheureusement. Hey, what's up? Tranquille toi. Randy. What's this? It's a recording. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh, shh. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're gonna just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. Ah, putain, il pense ça. Ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Huh. Nice. Ah, putain, c'est gentil. Pas trop cool. Merci. Yay! Oh. Ah ouais, les brassards, on les revend. Hein. Ah mais attends, vu que je suis niveau 8. Attends. Waouh. On passe de 3. Ou de 11
à 33. Là, on passe de 30 à 40. Ouais, mais... Non, vu qu'on doit aller voir les gothiques... Ah ouais, donc le casque, en fait, il ne fait rien. Et dire que le jeu était en 2014. Putain, ça a devancé la France. Respect, South Park. Whoa, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Hein? Less enthusiasm. Totally fucking bullshit. Ah, c'est marrant. Et merde. Ah bah oui, mais non. Là, ouais, petit flop là. Hein. J'ai merdé. Ah ouais, quand même. I felt this pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. Preuve obtenue non conformiste. Petit gothique. Il s'appelle vraiment comme ça le gosse? Sérieusement, petit gothique. Attendez quoi? Tu es EST? Je vous jure que je montrerai juste ça à un prof de français, il va faire un arrêt cardiaque. Oh ouais, ça a l'air cool. Et donc là, 4 amis. Donc, petit gothique, Pete, Michael, Henrietta. C'est cool. Petit gothique, c'est mignon comme nom. Attends, mais du coup, je dois aller où, moi? Aller parler à Kyle. Ah. Donc, soit on parle... Pour faire alliance avec lui contre Kyle ou contre Cartman. Ah oui, effectivement. Ah. Attends, on a fait combien de quêtes? Bon, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15, ok. Putain, que 15. Ah ouais, donc là, soit on fait alliance avec Kyle, soit on fait alliance avec Cartman. Et du coup, les gothiques, soit ils seront avec Cartman, soit ils seront avec Kyle. En fait, le truc qui est assez énervant dans l'histoire, c'est que je sais que tout le monde choisirait Kyle. Où tout le monde choisirait Cartman. Parce que, en fait, c'est ça le truc qui est horrible, c'est que tout le monde choisirait Cartman parce que tout le monde va se dire, si on choisit Kyle, c'est en même temps le bon choix parce que Kyle, c'est le personnage gentil. Dans South Park, c'est le gentil. Contrairement à Cartman qui, lui, a littéralement fait bouffer des parents à un mec. Oh, quel épisode, quand même. Enfin, voilà, quoi. Du coup, ouais, c'est... l'église. Du coup, ouais, c'est assez horrible. J'avoue que je sais pas, on va aller voir qui. Hein. J'avoue que j'ai aucune idée de qui on peut aller voir. Donc là, soit Kyle, soit Cartman. Oh. Non, c'est quoi ça? Ah, ok. Ah, bon. Bref, j'avoue que je ne sais pas. Je vous l'avoue, je sais pas quoi choisir, sincèrement. C'est très dur. Franchement, là, le choix, il est très dur à faire. Ouais, non, je sais pas. Putain, on n'a pas trouvé d'autres slips. Détecteur de morse.
porc, de la poutine. Ouais, je pense que non, je vais, disons, y réfléchir un peu de mon côté. Et d'ailleurs, même de mon côté, je pense que le truc que je vais faire, c'est aussi, du coup, hors vidéo, faire le truc de l'homme ours porc. Enfin, du moins, je vais essayer de le faire. Hein. Et puis on se retrouvera devant Valgor à la prochaine vidéo si j'y arrive. Ah, nouveau message. Je ne suis là que pour dire aux gens combien ça craint. D'accord. Mais déjà ici, on a la quête de McKay. On a la quête de McKay ici. Mais c'est assez bizarre. Genre... Attends, parce que la quête elle est chelou pour McKay, genre pénétrer dans l'espace de stockage pour y déposer son moniteur. Ah, à l'intérieur. Ah bah voilà. C'est quoi ce truc? Oh putain. Bref. Tiens, attendez. Est-ce qu'on avait une quête ici? Canada. Ah. Et là, on a l'Omoursport. Une girouette. La girouette, c'est le truc là, je crois. Attendez. J'avoue que je sais pas. Mais du coup, oui. Je sais pas quoi choisir. Ou... Voilà. Le truc de l'amour sport. Je vois pas quand que ça a été ça, la girouette, je pensais que c'était le truc là-bas. Mais bon, je me suis trompé. Mais du coup, oui. Oh putain, SDF. Eh ben allez, on va se le faire. Allez Kenny. Je sais très bien quoi faire. Clochard bourré. Putain, il en a de la défense le bâtard. Oh, de la défense, ouais, mais on lui a quand même bien explosé la gueule. Donc ça va. Ouf. Allez, camp de sans-abri. Bon, bah au moins c'est fait. Ah, mais attends, maintenant que j'y pense. Bah oui, parce que je savais pas il y a quelques épisodes de ça, mais maintenant je sais qu'on peut faire ça. Oh, un petit chat. Quoi? Non. Non, petit chat, reviens à la vie, s'il te plaît. Non. Oh putain, j'ai tué un chat. Non. Non. Mais je voulais tellement pas. Pardon. Non. Pardon, bébé chat. Oh, un petit chat là-haut.
pour ouvrir là. D'Algore. Ah. Oh putain. Ah ouais, c'est une imp celui de Mackay. Attendez, il avait dit quoi, Mackay? Ah, faut y déposer son moniteur. Oh putain, tu es une Pokémon. Pardon, Kenny. Il est où son moniteur? Oh putain, c'était ça. Ok, bon bah... Tiens, attends, c'est quoi? Repère de chaos. Ah ok, donc de Butters. Enfin, j'imagine. Oula! Ils ont été à libérer un peu vite, ces enculés. Bon bah voilà, au moins on aura fait une autre quête secondaire. C'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Hein. Have you accepted Christ into your heart? The South Park Church is two blocks that way. D'accord. C'est bien de savoir que l'église est pas loin, mais on s'en branle. Okay, thanks, you threw that away from me. You might be thinking I still have a hoarding issue, but you'd be wrong. Would you like to be friends on Facebook? Ouais. Yay! 30 amis. Trop bien. Ah bah putain, il y en a des gens qui crèvent, hein. Madame. Ouais, bon, je pense que je vais essayer de me les faire hors vidéo, ceux-là, parce que sinon... bref, c'est pas ouf quoi. D'accord, il en a rien à foutre. On peut tirer sur le cadavre. Tant quoi, mais je suis en train de lui découper la tête là. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, du coup voilà, si cette grosse vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner sur ce, c'était les Mikoupa. Et puis moi, je vous dis à très vite pour la suite de l'histoire sur South Park. Je tiens quand même à vous dire que pour la prochaine vidéo, je ne sais pas si on continuera le mode histoire ou si exceptionnellement on fera les quêtes annexes. Je ne sais pas encore, mais bon, on verra ça au moment venu, du coup voilà, à bientôt.